En 1789, les états généraux se lèvent, tiers état clergé noblesse se soulèvent. Le tiers état réclame ses droits, la constitution doit guider nos pas. Adieu les privilèges des nobles et du clergé, l'égalité des droits est enfin proclamée. La Bastille tombe, le peuple est en marche, la France s'éveille sous un nouveau panache. Code civil, un livre pour tous les citoyens, des lois égales de Paris à Saint-Germain. Constitution en main, le pouvoir s'organise, un nouveau monde que la révolution baptise. Plébiscite appelle à voter d'une voix, Napoléon consulte pour asseoir ses lois. L'Empire se forge de code civil, prend vie, il organise la société pour l'avenir du pays. Les privilèges sont abolis, tout est réformé, chacun est égal sous le droit affirmé. Les lois s'imposent à tous sans exception, c'est le fruit des luttes de la révolution. Code civil, un livre pour tous les citoyens, des lois égales de Paris à Saint-Germain. Constitution en main, le pouvoir s'organise, un nouveau monde que la révolution baptise. Un code civil, un livre pour tous les citoyens, des lois égales de Paris à Saint-Germain. Constitution en main, le pouvoir s'organise, un nouveau monde que la révolution baptise. Le plébiscite à généraux ont ouvert le chemin. Le tiers état se lève, prend son destin en main. La France entière se réinvente enfin, grâce à ces lois qui nous unissent demain. Code civil, un livre pour tous les citoyens, des lois égales de Paris à Saint-Germain. Constitution en main, le pouvoir s'organise, un nouveau monde que la révolution baptise. Constitution nous guide dans ce renouveau. Le code civil fait loi pour un peuple en paix, un monde de justice sous l'Empire fonction baptise. Le privilège sont tombés, l'avenir est à nous. La Constitution nous guide dans ce renouveau. Le code civil fait loi pour un peuple en paix, un monde de justice sous l'Empire français.